Bonsoir à tous et à tous, bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. Félicitations aux Lions du Sénégal, victoire des Lions du Sénégal, 2-0 face à la Guinée-Bissau, troisième journée des éliminatoires de la CAN 2022. Quand le patron est là, les Lions retrouvent leur sérénité. Sadio Mané a assuré son rôle de patron. Pourquoi? Parce qu'à la 44e minute de jeu, pénalty provoqué par Ismaïla Sarr. Parce que Sarr, il a la vitesse, il sait s'engager dans la profondeur. Donc nous passons aux profondeur. Sarr devance le défenseur Bissau Guinée Moufou Soko dans la surface. Penalty. Nous n'avons qu'à mettre le penalty. Donc Sadio Mané, Grégoire a fait une vidéo. Def 1. Donc un appel à Sadio Mané. Colère. Mais Sadio Mané, merde, parce qu'il doit tirer les penalty. C'est pas normal. Sénégal, il y a un penalty. Quand il y a un Dikodo. C'est pas normal. Liverpool, il y a un penalty. Sadio Dikodo. Il y a un Dikodo. Mais Sadio Mané, il a pris ses responsabilités. Dès le bal, il y a un bal. 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 Donc il a marqué un pénalty au grand bonheur des supporters sénégalais. Donc Sadio Mané, son retour en équipe nationale du Sénégal avec un but. Donc au match, ça a démarré comme ça a terminé. Sénégal m'a dominé le match. Même si en fin de seconde, donc de première période, Mama Baldé a été national. Donc de la 20e à la 45e minute de jeu, Mama Baldé, premier mi-temps, son nom est Moussa Wagé. Parce que c'est un joueur technique puissant qui a causé des problèmes à Moussa Wagé, qui a du mal à défendre. Et il a eu l'occasion du match pour la Guinée-Bissau. Parce que il faut devancer Moussa Wagé profondeur. Il passe dans la profondeur. Il accélère. Mais Edouard Mendy faut gagner de l'écran. L'écran écran bon nak moko xawa jaxé mu door bali mu jall. Sinon il aurait pu marquer le but. Donc c'est pour dire que donc tout n'a pas été rose dans ce match pour le Sénégal. Donc lolu mo nek l'occasion France. Sinon amnañ fa coup franc tour Edouard Mendy gennoko et à la 92e minute de jeu Guinée am coup franc centré ko wadi mbeuk Edouard Mendy face balle. Quel réflexe d'Edouard Mendy. Donc le Sénégal a un très grand gardien en la personne d'Edouard Mendy. Donc Sénégal, ils ont dominé les débats, hein. Il n'y a pas eu photo. Donc avec un 4-3-3, Edouard Mendy, Salif Sané. Donc Salif Sané, il a joué milieu de terrain aujourd'hui. Donc c'était une surprise, mais quand même Salif Sané, il a bien géré donc ce poste de milieu de terrain qu'il a joué en équipe nationale du Sénégal, surtout lors de son premier match face à la Côte d'Ivoire. Donc il a fait Lek Yaya Touré au Maroc et il a réédité un très bon match, hein, très bon match de Salif Sané au niveau du milieu de terrain, accompagné par Badou Ndiaye. Kouyaté dans l'axe, Koulibaly, donc Youssouf Sabaly à gauche, Moussa Wagé à droite, Sarr, Sadio Mané, Diatta et Habib Diallo. Donc Habib Diallo, il n'a pas été étincelant. Boulaye Diop m'a remplacé, mais Kerfin Diatta exceptionnel. Hein. Kerfin Diatta, il a été exceptionnel. Sarr aussi, il a été remuant. Donc le Sénégal donc, va jouer son jeu, un jeu qui s'est basé sur les déploiements sur les ailes. Donc Balé, petit Elie soit Sadio Mané, soit Ismaïla Sarr. Sarr des dribbles, Sadio Mané, des fois, mon passement de jambes, décalé Sabaly, soit mu djema dugg dans l'axe djema combiner dans l'axe avec Pape Ndiaye ou bien Habib Diallo. Donc lolu Alice djema djue tay pour donc exploser le verrou guinéen parce que Bissau Guinée dañu tek un bloc bas pour xar Sénégal parce que Sénégal mo ëpp doolé mais quand même le résultat est là. Donc on n'a pas eu beaucoup de spectacle mais le résultat est là avec donc deuxième but bi erreur la erreur de relance waye gardien dafa pas Sadio Mané. Sadio Mané accéléré dindi ben autre passe Opanguer remplaçant qui a pris la place de Ismaïla Sarr. Opanguer aussi a fêté donc son remplacement par un but, donc 2-0 pour le Sénégal. Donc c'est pour dire que bon, on a une très bonne équipe sénégalaise mais on entend quand même qu'il lance les jeunes comme Moussa Nam, Eliman Frank Kanté, Ariel Mendy. Nous xol la lañ mené parce que quand même donc il y a pas de danger. Donc Guinée on a comme d'or comme on a comme d'or. Donc il faut lancer. Donc faut pas avoir peur à l'issue. Donc lancer les jeunes on marche toujours comme ça, nous menons jouer. Parce qu'on attendait beaucoup, donc Franck Kanouté, Ariel Mendy, surtout à gauche. On attend gauche à gauche. Ça aussi, c'est un point noir à l'UCC. Vraiment, ça a voulu mis forcé. Wagé, il s'est démené, il a eu l'occasion de Barry. Mais Wagé, on voit que il faut manquer de compétition. Moi, je joue dans la compétition. Donc ça a joué aujourd'hui sur l'efficacité. Parce qu'on a balayé au Hamné, il pouvait s'entrer, ou alors il gagner. Mais il avait un problème de choix et un problème de précision. Donc il faut que Boy aussi ait un temps de jeu. À l'UCC, il a eu chance. Mais il faut que nous disions imposer dans leur club. Mais globalement, le Sénégal a dominé, le Sénégal a gagné. Logiquement, parce qu'il n'y avait pas d'opposition. Donc, Sénégal, ils ont été beaucoup plus forts que la Guinée-Bissau. Avec un excellent Edouard Mendy dans ses buts et un excellent Sadio Mané. Un but et une passe décisive. Le patron est de retour dans l'équipe nationale du Sénégal en attendant le 15 novembre pour le déplacement à Bissau pour la marche de tour face au Djourtou de Bassirou Kandé. Aliou Cissé, Cissé Ngari.